soki ote masi andenga yo sina kufa kala yawe nae kukumba melayo yawe nae kukumba melayo. Si le M23 na FARDC toujours continue toujours pour nous de voir les moyens comment pour déloger Bango na Bunagana récemment à Balinga a tenté pour attaquer territoire Moko na niveau Rutshuru-Kuna. FARDC a répondu proportionnellement à mettre Bango en déroute. Donc les M23 soutenus par les Rwanda continuent toujours dans la salle besoin na yoana malgré que a condamné Yango de par le monde, mais FARDC par l'alité a toujours là présente pour défendre l'intégrité territoriale en Bokanabiso, n'a pas assonné sur la Bangoune en Bokanabiso. Donc voilà ce que je peux dire. Mais tu sais que nous, vous avez dialogué dans Bangoté. Mais le chef a été clair. Il a pris à négocier, il a pris à dialoguer avec les M23. La seule option qu'ils ont réservée pour Nabango, c'est de déposer Mindouki, Koko, dans le processus DDRCS Wana. Donc, à part ça, il n'y a pas à négocier avec les M23. M23, l'État congolais a imposé Bango P par la force. C'est-à-dire qu'il est délogé Bango par la force, va libérer le territoire aujourd'hui, c'est occupé par Bango. Moi, je suis en train de me magazine, je suis en train de me faire un magazine. L'homme de l'éveil des consciences, on a solo là, ma solo tali, ma tali mbo cannabiso. Ok, oui tali mbo cannabiso, mon amour papa tout court à la musulmane cannabiso, pour éviter M23 la FARDC, guerre de commun après tous les autres. Bon, si le M23 la FARDC, toujours conseiller toujours pour nous de voir ces moyens comment pour déloger Bango na Bunagana. Récemment, ah, Balinga a tenté pour attaquer. Territoire Moko na niveau Rutshuru-Kuna, FARDC a répondu proportionnellement à mettre Bango en déroute. Donc les M23 soutenus par les Rwanda continuent toujours dans la salle besoin na yoana malgré que a condamné Yango de par le monde, mais FARDC par l'alité a toujours là présente pour défendre l'intégrité territoriale en Bokanabiso, n'a pas assonné sur Bangoune en Bokanabiso. Donc voilà ce que je peux dire. Mais tu sais que non, vous dialoguez na Bangote. Mais le chef a été clair, il a pris à négocier, il a pris à dialoguer avec les M23. La seule option qu'ils ont réservée pour Nabango, c'est de déposer Mindouki, Koko, dans le processus DDRCS Wana. Donc, à part ça, il n'y a pas à négocier avec les M23. M23, l'État congolais a imposé Bango P par la force. C'est-à-dire qu'il est délogé Bango par la force, va libérer le territoire aujourd'hui, c'est occupé par Bango. Ok, moi, je suis un peu de temps, je suis mon instrument en Bokatisi Kotozo et Bate, mon instrument va dire que mon peuple congolais va dire que je marchais toujours pour le départ à mon instrument. Tout le monde a tissé pour le côté, mon instrument a comme que vous m'avez battu pour éviter. Les gens ont dit que nous avons dit que nous d'abord, toujours déplorer vraiment l'acte Oyo, le militaire à mon instrument qui opposé à Kassindi, il y a comme un paisible citoyen. Donc, moi j'ai comme l'impression que la MONUSCO aya qui a wande pour accomplir mission pour exterminer le peuple congolais. Parce que je ne pouvais comprendre la militaire à MONUSCO parce que se comporter comme dans une jungle. Vous voyez, dans une frontière d'un état souverain, beaucoup de Namakasi va fuir binoti. Non, pas jusque là. Le Congo, c'est un état souverain. Voilà pourquoi le peuple congolais, dans la partie est, va manifester qui râle bol na bango. Que MONUSCO faut que toujours à Kindi. Il y a un moni peut interpeller l'autorité congolaise, par contre ça qui réunit nos dirigeants, pour avoir réévalué encore au Italie, au Kindi, à MONUSCO, au Zaki, retenu dans 2024, mais l'État congolais a moniqué. Non, il faut pas me rappeler qu'on réévalue en haut, ce qui va anticiper le départ, parce que trop c'est trop.
parce que vous ne pouvez pas prétendre que sécuriser peuple Oyo à Boibino. Vous comprenez? Peuple congolais à Boibino. Parce qu'il a compris que Benonde Boza à la base va massacrer aujourd'hui dans la partie est de Nabiso pour maintenir présence Nabino toujours pendant des années. Parce que vous avez fait au moins deux décennies Oyo, les sang continue à couler à la partie est en Boka Nabiso. Sous l'œil impuissante, il y a Monisco. Donc nous comprendrons que la Monisco est complice de la barbarie Oyo dans la partie est en Nabiso. Voilà pourquoi les peuples congolais, tous les gars, traduisent Yango par des marches et des manifestations pour réclamer départ Nabango sans condition. Nous ne voulons plus de la Monisco dans notre pays, va libérer, va kende, va tikambo Nabiso tranquille. Parce que nulle part au monde, la Monisco et les Nations Unies, bah, y'a pas instaurer paix dans le monde. Par exemple, à la base, il y a la Corée et Bota Yougoslavie, toujours les Nations Unies. Nulle part au monde, il y a instaurer paix dans le monde. Place mon côté. Il y a un Angola, il y a un Kibitumba en Angola et perdira qui jusqu'à ce que les Angolais babengana bango na mboka na bango. Nous sommes tous emboîter les pas. Nous ne voulons plus de. Peu importe la révélation, par exemple, la Lélé Oyo, le Bakio, non, le Rwanda est impliqué dans le massacre, ni ce mot que peut-être qu'on va dans la tu vois, la ligne va se ressaisir maintenant pour le Bakio, non. Par rapport aux enquêtes, nous avons vu que le Rwanda qui a. Non, Bissot Moro Pays qui Rwanda joue agressé Congo. Et ça y est, une nouveauté était pour Bissot. Donc il y a un peu changé pour Bissot, peuple congolais, mais à l'autorité congolaise. Nous voulons votre départ, qui est la Monusco, Bakanga Bissaka Bakindi. Vous imaginez Batuba Koufina Kassindi, tué par les militaires de la Monusco, ses porte-parole, il y a Monusco à l'équi pour Sakana na peuple congolais. Et ça lui insulte. Ouais. Voilà pourquoi la CPL a une réponse. Il y a VPM Nabiso et affaires étrangères pour démontrer qu'à la face du monde que le Congo c'est un État réellement souverain. Un porte-parole, peuple à Zokoufa, tu veux nous insulter. Dans ma propos, mon reboyer, il y a aussi un peuple congolais. Voilà pourquoi il a été chassé, parce qu'il y a 48 ans, a quitté le sol congolais. Ouais, qui preuve à la Kisaki, le Congo, c'est réellement un État souverain. Maintenant, nous cilités, nous demandons le départ. Il y a tous les contingents, il y a Monusco dans notre pays. Nous ne voulons plus d'eux. On en a marre avec eux. Parce que par rapport à leur mission, ils ont failli à leur mission. La mission d'Abangoïsaï d'abord, de protéger la population civile, de maintenir la stabilité dans ces pays-là. Mais toutes ces deux missions, ça a échoué. Parce que la population continue à mourir. L'instabilité continue à régner dans notre partie est de Yambo Kanabiso par les groupes armés, par le Rwanda. La Monusco Zawana a aussi le côté. Alors comme il a échoué dans sa mission, peuple total est mis pour la relativiser que nous ne voulons plus de vous. J'ai là jadis Bobi Sakibiso qui par rapport à la logistique, pour faire la face là-bas, groupe armé. Alors maintenant, votre raison d'être dans Yambo Kanabiso aux Alani. Ce qui a échoué dans la mission de Nabino, il y a stabilisé le Congo, il y a protégé la population civile. Maintenant, il y a aussi la proposition là, il y a la souche. Parce que votre mission, vous avez déjà avait échec la mission de Nabino par rapport à la déclaration et à la porte-parole de Nabino. Voilà pourquoi nous disons à nos autorités, va baisser braté. 2024, c'est trop loin pour nous, les Congolais. Nous voulons leur départ à l'immédiat. Va libérer le territoire congolais, va kende ba zonga na mboka na bango. Parce que ça va commerçant. Les nations sont commerçants. Il y a comme ça la commerce et la minerai dans le monde. Parce que la mission de Bango, c'est de piller le Congo, il y a comme maintenir le Congo à genoux, comme maintenir le Congo en esclavagisme. C'est ça leur mission. Okay. Voilà pourquoi cette mission a été dénichée par les peuples congolais. Nous ne voulons plus de cette mission. Donc, nous avons besoin avec nos frères d'essai pour instaurer l'intégrité territoriale de Mboka Nabiso. Toboy Monisco dans Mboka, tout le monde est clair. Peuple a manifesté le bol. Que nos autorités vont traduire à Véoana, il y a peuple congolais auprès des Nations Unies, que Toboy Bango, Tolingi Bango, le Soussou, tu vas libérer Mboka Nabiso, c'est clair que ça. Mais pas libérer Mboka Nabiso, c'est un anime moi dans Mboka. Oui, il y a des procédures à suivre. Parce que l'État congolais a béni Saka Bango. L'État congolais, il s'est donné 9, c'est M. Kabila le père. Nda bengisa Monusco, ben amboka na biso. Mais cette mission a duré plus de deux décennies et petit résultat escompté. Comme petit résultat escompté, soit on doit. Il faut pas libérer Bakendi parce que leur mission a échoué. Mission échouée. Ils l'ont carrément à libérer notre pays Bakendi parce que leur mission a échoué. Moi, je ne vois plus la raison d'être et à maintenir Monusco dans notre pays parce que les peuples continuent à mourir chaque jour.
la stabilité dans notre l'insécurité, l'instabilité continue toujours jusqu'à ce moment. C'est que mission na bango et ça qui régaler ça et ça mais là qui bango ba échouer na yango. Bon, yebisanga ce que présence na bango cela pour quelle fin maintenant, pour quelle finalité? C'est ça le problème, que les Nations Unies comprennent que ils ont failli à leur mission, ils ont échoué. Allez, les restes va libérer mboka na biso, ba tika ba congolais biso moko comme d'autres pays ba bouna na mboka na bango pour ba instaurer l'intégrité territoriale en mboka na biso. C'est ça le problème. Mais mon isco, c'est comme si à zone que l'on a pas en mboka na biso, pourquoi à zone ngoko qui tout le monde ba sel ba marche ba bouni ba débiter suite na bango et ça non l'ennemi. Pour comprendre na biso autrefois. Que la MONUSCO est allée bras séculer à Nations Unies pour piller les ressources naturelles à Congo. La MONUSCO est là pour créer l'insécurité. Vous comprendrez, parce que les nations, le Congo est placé comme un pays, considéré à Congo comme un bien sans maître. Pour eux, stabilité est cause de la Congo. Il faut instabilité Zala pour justifier présence na Bango, y a pillage à minerai na biso na kata Congo. Avec leurs bras séculiers, la MONUSCO, le Rwanda et le Burundi et l'Ouganda, c'est ça la vérité. Vous comprenez? Alors, le col à Plawana, ils ont déniché par nous les vrais Congolais. Tu as dit que leur mission est à maintenir le Congo à genoux. Ils ont dit qu'ils fléchir le Congo au profit yaba impérialiste au bas Piyembo Kanabiso par l'entremise de Rwanda et de l'Ouganda. Vous comprenez? Il y a une présence, il y a MONUSCO qui prend au contrôler Congo. C'était pour contrôler Congo, pour que Congo a bougé. Bangonde ba armaka ba groupe armé, j'avais dit ça autrefois dans une émission. C'est eux qui bangonde ba armaka, les groupes armés dans la partie est. C'est la MONUSCO. C'est ça la vérité. Elle est secrète à Polichinelle. Congolais, tu comprendras. Voilà pourquoi on a dit ça. Ma mission est de veiller la conscience à peuple congolais. En général, en particulier la jeunesse congolaise, va comprendre que cette affaire nous concerne. Tant que MONUSCO a causé un mboka oyo, paix et causé un Congo. Vous comprenez? L'instabilité en Boka Nabiso est perdurer pendant des années tant que MONUSCO a causé la awa. Parce que Bangonde, Basali, bras séculier, il y a pas impérialiste pour maintenir le Congo dans l'instabilité. Vous comprenez? Pour piller nos richesses naturelles. Tant que Barosa Lawana, Congo ne retrouve jamais paix na yango. Voilà pourquoi Biso Pepe Tosengi, MONUSCO a tendé à libérer le territoire Nabiso, à libérer Mboka Nabiso. Parce que tout le monde a raison d'être na yete. Parce qu'il est là pendant des décennies, Congolais vont continuer à couffa, les sangs continuent à couler dans la partie est. L'instabilité. Les gens perdiraient, comme ils ont failli à leur mission, ils n'ont qu'à plier bagage et repartir dans leur pays. C'est tout simplement tenu de la peuple congolais, vous avez dit que le départ à MONUSCO, mais tout le monde va adverser en Abino. Mais sur une déclaration, il y a Franck Guillaume, Azaki Pau. MONUSCO de éviter les canaux là. Pourquoi Franck Diongo a cette déclaration? Mais c'est le journaliste Nabisa qui ok de Franck Diongo, de Fayoulou, de Kabila, de Moïse, baza ba sous-traité. Il y a un impérialiste en Boka. On a dit ça autrefois. Il y a un moni biso la jeunesse consciente que nous sommes. Tu es là qui coloba yango bien avant. Tu peux imaginer, la MONUSCO est là pendant des décennies. Le peuple continue à souffrir, à mourir. Nos minéraux continuent à être pillés par ces occidentaux, par des puissances étrangères. Okay. Peuple congolais qui est souverain, ils ont reconnu l'article 5 de la Constitution de Boka Nabiso, a télémis pour réclamer départ à MONUSCO. Un soi-disant opposant, Franck Diongo, de Sirkoa, s'élève pour dire que Azo Seng a maintien à MONUSCO pour battre là jusqu'à ce que Félix a échoué dans l'élection. Pour comprendre un peu ça, il sort la jeunesse consciente pourquoi il a tenu ses propos. C'est-à-dire, Aza toujours Kolakisa, appartenance na ye, na sous-traitance, et au Bazali na yango, et pas à l'Européen pour Nambo Kanabiso. Le même discours a été fait par M. Mukwege. Le même discours, on l'a pas politicien nous sommes congolais. Bazo Sengake, MONUSCO Tikala. Nous disons non. Ce pays n'appartient pas aux politiciens. Ce pays appartient à la population congolaise que nous sommes. Oh, Totelemi, pour mettre en déroute par ennemi nous sur Ambo Kanabiso. Franck Diongo n'est pas un politicien, c'est un sous-traité. Vous comprenez? Il fait la sous-traitance des Européens dans la politique congolaise. Mais c'est qui ok? Les Européens ont compris une chose au Congo. Parce que pour voir ça dans la même mise dans le Congo, il faut pas ça dans sous-traitant dans Bango, dans politicien.
bande bande pèse maintenant où ils allent position et vision à bango pour le Congo. On comprend la MONUSCO qui refuse à aucun n'amboka au babingani par le peuple congolais. Mais vous voyez maintenant les politiciens qui se dit politiciens opposants à Télémi pour n'accoucher à maintien à MONUSCO. De quel droit Franck Dion peut se permettre à accoucher à maintien à MONUSCO pendant que le peuple qui est souverain azo senga départ na bango peuple o ya lo baka défendre ka bango lelo ate en contradiction na maloba peuple o ya lo baka diriger lobby. Allez-y comprendre devant les intérêts comment les politiciens se comportent. Voilà pour la mise à qui ok tous ces politiciens véreux que vous voyez à l'opposition, personne n'a les visions pour les Congo. On a vu ça qui est en bien. Les lois ont essayé de se justifier du jour au jour. La déclaration en Bango, la proposition en Bango. La vision de Tshisekedi est allée à co-instaurer un état de droit de la démocratie dans le Congo. La vraie démocratie. Mais c'est le journaliste. Nous avons eu la chance à rouler dans la bande de l'école. Vous comprenez? Moi je pense que beaucoup de Congolais réfléchissent par les ventres au lieu de réfléchir par la tête. C'est ça le problème. Donc dans un pays normal, même aux États-Unis, on arrête les gens sans commettre des infractions à droit commun. Même dans des pays de vieille démocratie, on arrête les gens si tu commets des infractions. Donc il n'y a qu'au Congo ici, parce que nous avons prôné démocratie et nous avons le libertinage. Tu peux te permettre de faire n'importe quelle déclaration, tu peux te permettre de commettre des infractions à droit commun, justice est poursuivre et parce que tu es politicien. C'est ça le problème. Il y a Jimmy Kitenge, la qualité de la secrétaire nationale en charge de la communication d'un parti politique comme le PPRD. Encore tenir ma propos au Athéna qui était au cours d'une émission. Il y a les gouvernements en place et ont concocté un complot. Il y a éliminé physiquement l'ancien président Kabila et sa femme. Est-ce que aujourd'hui la gravité, il y a ma propos là? C'est ça la démocratie pour nous au Congo. Tu peux tenir de tels propos et toucher même Sirete à Moka. Kabila, c'est là qui est ancien président. Est-ce que tu penses que Lelo Kabila, ce qu'il a eu problème par rapport à propos wana, Bachong na Moutouana, Balobani, peuple inconscient de la Congolais Lobani, régime en place à Nini, et Boumi Kabila na Monsinaye. Voilà des propos que Jimmy Kitenge peut tenir dans une émission, un cadre du PPRD. Nous avons le service de sécurité, le service de renseignement. Congo est à poubelle et tout. Bah moni gravité à propos on a interpellé à des mots. Il a été interpellé. Je te confonds avec Makamusus. Aner aussi a interpellé Rabatou. Aner pas qu'un Rabatou. Comme hier, FBI a interpellé Rabatou dans les États-Unis. On va enlever. Nazoya, ils ont enlèvement. Parce que tant que Bakangiye, sa famille est baïque, Azana Aner. Il est auditionné à l'ANER. Il va se mal dans la télévision. Jimmy a été appréhendé par l'Agence nationale de la sécurité en Bokanabiso pour n'avoir auditionné. Tant que si l'ici audition va remettre maintenant à parquet, la juge naturelle va entendre par quoi va faire ou va reprocher. Et c'est la procédure. Pourquoi les politiciens comprennent pas ça amalgame? Être politicien et je peux son immunité. Et c'est le problème. Lorsque tu commets des infractions à droit commun, tu seras poursuivi. C'est ça un état de droit aussi. Vous comprenez? Pour confondre état de droit dans la libertinage. Les lois ont ces gens qui continuent à inciter les chefs de l'État sur leur plateau. Sur le Bakangiye, justice est interpellée par et comme acharnement. Il n'y a qu'ici au Congo. Vous comprenez? Parce que lorsque a tenu ma propre marque Wana, et ça m'a l'amour. Vous comprenez? Les inconcepts vont acclamer, vont applaudir. Mais lorsque cela est interpellé comme acharnement, non. Parce que ça l'amalgame. Aucun politicien n'a épargné la justice congolaise. Je dis bien aucun politicien. Si le chef de l'État est poursuivable dans la justice, à combien plus forte raison Jimmy Kitenge? Parce que ça l'amalgame. Jimmy Kitenge, s'il est reproché, voulais-je dire, des infractions et atteintes à l'État, il sera arrêté. Et c'est la vérité. C'est une information toujours pas que papa bino 48 est boutique à Jimmy, Jimmy Kitenge, Jimmy c'est pénal, papa bino 48 est évité. Je pense que la force reste à la loi. Ok? Je dis bien la force reste à la loi. Moutouma est intimidé l'État Zaté. Ouais, Zali, ils ont ventilé le bossal. Jimmy a été arrêté. Ça fait maintenant 6e jour le lot. 48 jours, il a déjà
ça déjà y a pour les gars. Le lot où je t'informe, bah tiens maintenant à disposition à parquet. Kimikiting, je t'informe. Bah tiens à disposition à parquet à la Kisabiso. Comment les gouvernements en place, comment le régime en place, par rapport à ça la complot, théorie à complot, pour a éliminé ancien président, moi Namboka, Joseph Kabila. A redémontrer la justice. De la même manière, Kabunda a démontré comment Tshisekedi a détourné bien en Mboka, hélicoptère, petit porteur, je m'en à l'État, paradis fiscaux. Lorsque vous tenez de tels propos devant les médias, tu crois que on a permis à n'importe quoi. La justice est là dans notre pays. Il y a vraiment besoin d'interpeller les politiciens, parce qu'on confondre les rôles dans les politiciens. Si tu es politicien, osa exempter la justice. Il faut se contrôler. Dans ma propos, il faut se contrôler la diffamation de ça dans les médias. Contre les chefs de l'État, contre les autorités du pays. Parce que demain ou après-demain, lorsque je suis interpellé, on démontre Yango et comme acharnement. C'est ça la procédure des opposants. Il y a une longue justice. Yango Moni, Yango Moni tient si c'est qu'il est son vivant. À l'acceptation politique, il y a au fin de la diffamation. Vous comprenez? Si c'est qu'il jamais eu un acte de propos diffamatoire. Jamais. De son vivant. Il critiquait l'action gouvernementale. C'est ça, le rôle d'un opposant, c'est-à-dire qu'on critiquait l'action gouvernementale. Non qu'on s'est plongé dans la diffamation, dans le mensonge, dans les médias. Parce qu'il faut que l'honneur de quelqu'un est à protéger. Quand nous saluons l'image de Moutou, l'honneur dans les médias, il faut répondre, on démontrer que tu sais que réellement, à ce pays, il y a. Vous comprenez? Jean-Marc Kabundi. Alors, c'est après que l'on a dit que Jean-Marc Kabundi a commis pour menacer Mosso, pour éviter les animes. Mais quand on a connu de la banane, je crois t'avoir dit au cours d'une émission, la justice, c'est sa principe et sa procédure. Jean-Marc Kabundi, en tant que déjà procédure, j'arrive. Jean-Marc Kabundi a convoqué qu'il y a une première audience, un certain mardi. Il y a semaine écoulée, il n'y a qu'à répondre à l'audience. Il a fixé un rendez-vous pour le mardi passé. Malheureusement, il y a eu un changement au niveau de l'appareil judiciaire. Il y a eu des nominations de la procureure Yassika. Il ne faut pas remplacer les autres. Il faut passer à la remise et reprise. Il y a un renvoi qui encore Jean-Marc Kabundi pour le mardi en 8. Le mardi en 8, il est convoqué à Olekana au niveau de la justice. Procédure et continuer, audience et continuer avec Jean-Marc Kabundi. Par rapport à la propos, on dit que Jean-Marc Kabundi a par rapport à l'éveil militaire. Les gens doivent comprendre que l'humilité d'un député balongola en haut. Mais tout battre la loi, ils ont régir Mboka na biso. Comprendre? Tout battre rappelle la loi mère qui est la constitution. L'immunité d'un député balongola kayangote et puis l'immunité d'un député et c'est la cas fonctionnel et ça absolue papa bah tu vas confondre que le quoi na oba senga leve bah on senga te bah senginde na bureau autorisation à poursuivre yé na cadre y a bon sens parce que Kabundi appartient à l'Assemblée nationale na cadre y a respect entre les institutions, entre les pouvoirs. Basengina, président Mbosso, après ça, accord, va poursuivre Kabundi. Basengi, immunité. Et puis, dans le cas immunité à député et sa fonctionnaire. Et ça, lié par rapport à sa fonction. Vous comprenez? Pendant l'exercice de sa fonction, d'accord poursuivre l'été. Mais ma propos au Kabundi à tenir, ils allaient hors hémicycle. Ils allaient hors fonctionnaire et député. Mais c'est le problème, j'ai pour comprendre ça. La seule personne, Oyo, immunité salut absolue, c'est la diplomate. Il n'y a que des diplomates au bazar na immunité absolue dans le cannabis. Même dans Katia, il y a ONG, même à comment pour poursuivre l'été. Mais Kabundi, il est un simple député. Son immunité, immunité n'a rien et ça lui fonctionne dans le bas. Pas tout bas confondre. Ok? Justice est bien. Il y a un moni qui va interpeller qui est. Il doit comparaître, papa. La pèse exemple, awa. Tu avais vu Delice Sanga insulter Mbosso dans le cadre de l'hémicycle. Il va poursuivre qui est.
et c'est qui dans cadre il y a fonction à Moussa Naïe, il y a exercice à Moussa Naïe à Salaki insulte à l'endroit du président il y a l'Assemblée nationale Mbosso. Il dit que ça n'avait pas été poursuivi. Parce qu'il y a un cadre, il y a exercice, il y a Moussa Naïe. Mais les déclarations de Jean-Marc Kabound, ils allaient en dehors. Il y a Moussa Naïe. Il a traité les chefs de l'État des détourneurs, des jouisseurs, de tout, de tous les mots. Voilà, justice interpellée. Parce qu'au moment, il y a une immunité à député, ils allaient être fonctionnaires, ils allaient être fonctionnaires, ils allaient être absolute. Ok? Ceux qui députés commettent infraction. Or, Moussa Naïe, il est poursuivable. Tongoman Ibaye Bayango, Batika Oko Sabango, un député, il est poursuivable. Ceux qui commettent infraction, hors fonction Naïe, hors Moussa Naïe, hors hémicycle, il est poursuivable. Vous comprenez? Parce que l'immunité Naïe, c'est absolue, c'est fonctionnel. Je pense que j'ai bien précisé sur ça. Rien que les diplomates, au basan à immunité, absolue dans Mboka Nabissou. Alors, comme Jean-Marc Kabound avait tenu des propos hors hémicycle, a tenu des propos wana, hors fonction à la député, voilà pourquoi la justice est interpellée à des mots. Vous voyez que Jean-Marc Kabound a coûté de justice à Bissou. Comme Mboka Oyo a pillé, vous comprendrez, Mboka Oyo a pillé, il y a eu des détournements, Jean-Marc Kabound a suffisamment des informations, il a coéclairé. La justice congolaise va poursuivre Batouana, va récupérer Mbongo et a contribué des Congolais aujourd'hui s'allient pillé par les autorités du pays. Ok, moi la moka tout petit à petit pour que le recité de mon délégation américaine, les autres, bien que les autres qui t'en ont pas de sa pour éviter, bah, on y a au salami. Mais quand on connaît de là-bas, on a au bazar pour ça. Nous sommes dans la délégation, ça va retomber à diplomatie agissante et à chef de l'État. Tu as vu ça qui vient au combat au Félix Azo mené à des niveaux. Niveau diplomatique. Faire comprendre à ses parrains de Rwandais, à ses parrains de Kagame, que Kagame a violé même la loi internationale, le régime Mokili. Ok, Lelo Omoni Lelo, grâce à cette diplomatie, Nations Unies, par l'entremise, il y a ONU, il y a MONUSCO, les experts à MONUSCO, va confirmer implication directe de Kagame dans Rwanda dans l'agression congolaise. Et ça lui fruit, va retomber à la diplomatie des chefs de l'État. Ok, la MONUSCO a fait plus de 2 décennies dans le cannabis. Nulle part au Yoka Bango va condamner le Rwanda, va condamner Kagame. C'est grâce à la diplomatie des chefs de l'État et on va retomber nous, soana, la MONUSCO. Les Nations Unies vont comprendre le lot. Bien qu'ils aient eu ça l'assemblée, qui serait à obliger Bango à contendre Bango par sa diplomatie, par qui sous la choix, va accepter position à RDC par rapport à l'implication à Rwanda, l'agression à Bango dans Mboka Nabissou. Le lot délégation est qu'il y a, et ça toujours va retomber dans le Bissau Awa, il y a diplomatie chef de l'État. Bah, maintenant qu'au solo là, parce que Félix a démontré la face du monde, le Conseil de sécurité, que le Rwanda agresse le Congo, Kagame Azali, Yende Aza, co-armé, qu'on ravitaille les M23 et les autres bah, groupes armés dans Mboka Nabissou. Lelo Oyo va retomber en Oyo. Délégation américaine et Kouya, Ezali, conduit par y a secrétaire d'État américain, Blinken, Bakouya Mboka Nabissou, pour s'entretenir avec les chefs de l'État, pour trouver des solutions par rapport à cette agression rwandaise, la Kata Mboka Nabissou. Voilà pourquoi toujours Bato Balobake, Félix Rossalarien, Bata la Kabassine du temps, va comprendre la mieux. Mon cher ami, nous devons quand même nous comprendre par rapport à ce que je vous dis. Ok, du moment où le gouvernement congolais est si éloigné pour considérer les M23 comme le groupe terroriste, yebisangai mboka nini oyo et sur la gangaba terroriste. Au Nigeria, nous avons les Boko Haram. Et au cas déjà, le président nigérien a négocié avec Boko Haram. Au Cameroun, il y a des Boko Haram. Tu as déjà vu Paul Biya négocier avec les groupes terroristes au Sénégal. Pourquoi seulement demander au Congo, qui jadis considère les M23 comme les groupes terroristes, si c'est que d'un Mbabango? Et ça contradictoire. Parce que le Congo a déjà levé l'option que les M23 sont des groupes terroristes. Donc nous ne pouvons jamais, jamais négocier avec eux. Nous devons leur imposer la paix de force. Voilà ce que je peux te dire, monsieur le journaliste. Ok, moi, je suis tout comme dans l'émission de la vie sur le magazine Yoka Base. Nous avons un numéro de téléphone, nous avons un numéro de téléphone,
Il est au interpellé toujours la jeunesse congolaise au balananga de partout. Pour eux, bakes makambu oyo et zo concerné biso la jeunesse congolaise. Pour aider les chefs de l'État, pour se mettre tous derrière lui pour bouter notre ennemi dehors. Les complots étant grands en Bokanabiso. Complot au bon à Rwanda. Bon, on a bateau bana sima à Rwanda. Ba grande puissance, les impérialistes. Oh, ben, toujours qu'on maintenir Congo à genoux. Qui sait qu'elle a démontré à la face du monde que Atché Bango devait un fait accompli. Bazaki n'a choisi. Aujourd'hui, ils ont accepté. Ils ont pointé du doigt Kagame et le Rwanda. Et l'ingo la kisake, Kagame petit à petit, a commis Koko a fait un règne naïe. Grâce à la diplomatie à Félix Tshisekedi, à mettre Bango à ni. Bateau Baki derrière Kagame, Bazaki Souna Chouate, ils ont accepté aujourd'hui que l'agression rwandaise est réellement vraie au Congo et même qui n'a niveau conseil de sécurité. Il reste biso jeunesse congolaise, tout élément, tout baissé braté. Le gouvernement, Aza n'a pas de responsabilité. Biso jeunesse, toi n'a pas de responsabilité. De commun un accord, de combouter un ennemi en Boko Nabiso dehors, Ibanda en Boko Nabiso, comme la MONUSCO, il y a un ennemi en Boko Nabiso. Ensuite, on manifesta qui, les Congolais continueront toujours à manifester paisiblement, on a combouté pacifiquement, pardon, pour mettre en dehors un ennemi en Boko Nabiso, jadis, on a MONUSCO, on a entretenir un groupe armé du jour au jour. Mon numéro, c'est le fils de 143. 81 52 99 123 plus 243 81 52 99 123 Isa Wabino, président Marcel, l'homme de l'éveil du conscience, il y a peuple congolais. Ok, merci Nito, comme il a suivi l'émission de ce magazine, Yoka Bazin. Merci à la mission de ce magazine. Toujours, Mituna, Isa Yanga, il y a une réponse, Isa Yanga, invité la mission. Tout le monde, il y a une mission. Que l'immunité n'a pas absolue, c'est fonctionnel. Je pense que c'est bien précisé sur ça. Rien que les diplomates au bazar immunité absolue dans le cannabisou. Alors, comme Jean-Marc Kaboun avait tenu des propos hors hémicycle, a tenu des propos wana, hors fonctionnaire et député, voilà pourquoi la justice est interpellée à des Bissabissou. Vous voyez que Jean-Marc Kaboun a coïncidé de justice dans Bissou. Comme Mbokao est appuyé. Vous comprendrez? Boka Oyo, ils ont pillé, il y a eu des détournements. Jean-Marc Kaboun a suffisamment des informations. Il a éclairé la justice congolaise, va poursuivre Batouana, va récupérer Mbongo, il y a contribué des Congolais, aujourd'hui ça a été pillé par les autorités du pays. Ok, à mon amour, tout est petit à petit pour que nous citer une délégation américaine, ils ont bien que ceux qui t'en a pas de sa pour éviter, bon, il y a aussi la ligne. Mais quand on connaît de la banane Boka, au bazar pour ça, oui. Nous avons eu la délégation, ils ont retombé à diplomatie agissante et à chef de l'État. Tu as vu ça qui est nos combats au Félix, ils ont mené à deux niveaux. Niveau diplomatique, faire comprendre à ses parrains des Rwandais, à ses parrains de Kagame, que Kagame a violé même la loi internationale, le régime Mokini. Ok, Lelo Omoni Lelo, grâce à cette diplomatie, Nations Unies, par l'entremise, il y a ONI, il y a MONUSCO, les experts à MONUSCO, va confirmer l'implication directe de Kagame dans Rwanda dans l'agression congolaise. Et ça lui fruit, va retomber à la diplomatie, il y a chef de l'État. Ok, la MONUSCO a fait plus de deux décennies dans Mboka Nabiso. Nulle part Royoka Bango va condamner le Rwanda, va condamner Kagame. C'est grâce à la diplomatie chef de l'État et on va retomber nyon sowana la MONUSCO, les Nations Unies va comprendre le lot bien qu'il va ezagi nango pe ba ndeko sala sambla qui serait à obliger bango à contendre bango par sa diplomatie ba ki sou na choate ba accepter position à RDC par rapport à l'implication en Rwanda na agression na bango na mboka na biso le lot délégation e kouya et ça toujours va retomber dans tout biso awa il y a diplomatie chef de l'État ba e maintenant ko solo là parce que Félix a démontré à la face du monde le conseil de sécurité que le Rwanda agresse le Congo Kagame Azali Yende Aza co-armé pour ravitailler les M23 et les autres groupes armés dans Mboka Nabiso. Lelo Oyo va retomber en Oyo, délégation américaine et Kouya, Ezali conduit par le secrétaire d'État américain Blinken Bakouya Mboka Nabiso pour s'entretenir avec le chef de l'État pour trouver des solutions par rapport à cette agression rwandaise la Kata Mboka Nabiso. Voilà pourquoi toujours Bato Balobake, Félix Rossolarien, Bata la Kabassine du temps, va comprendre la mieux.
vous délégation de pourquoi pas vous M23. Mon cher ami, nous devons quand même nous comprendre par rapport à ce que je vous dis. Ok. Du moment où le gouvernement congolais est si élobiqué pour considérer les M23 comme le groupe terroriste. Yebisangai mboka nini oyo et solakanga terroriste. Au Nigeria, nous avons les Boko Haram. Il y a déjà président nigérien à négocier avec Boko Haram. Au Cameroun, il y a des Boko Haram. Tu as déjà vu Paul Biya négocier avec les groupes terroristes au Sénégal. Pourquoi seulement demander au Congo qui jadis considère les M23 comme les groupes terroristes qui se quittent à Mbabangu? Et ça contradictoire. Parce que le Congo a déjà levé l'option que les M23 sont des groupes terroristes. Donc nous ne pouvons jamais, jamais négocier avec eux. Nous devons leur imposer la paix de force. Voilà ce que je peux te dire, monsieur le journaliste. Ok, moi, dans beaucoup de temps, comme dans ce que l'émission a dit sur le magazine, à Yoka Bazin, nous avons dit que les amis n'ont pas de numéro de téléphone, nous avons continué à être problème. Il y a interpellé toujours la jeunesse congolaise au Balanaranga de partout. Pour que Makambu Oyo et concerné Bissot, la jeunesse congolaise, pour aider les chefs de l'État, pour se mettre tous derrière lui pour bouter notre ennemi dehors. Les complots étant grands en Bokana Bissot. Complot au Bokana Rwanda. Bon, on a bateau Rwanda. La grande puissance, les impérialistes, il y a toujours qu'on maintenir Congo à genoux. Qui se quête à démontrer à la face du monde que Achebango devait un fait accompli. Bazaki n'a choisi. Aujourd'hui, ils ont accepté. Ils ont pointé du doigt Kagame et le Rwanda. Et l'ingo la Kisake, Kagame petit à petit, a commis Koko en a fait un règne naïe. Grâce à la diplomatie à Félix Tshisekedi, à mettre Bango à Ni, Bato Baki derrière Kagame, Bazaki sous la choisi. Ils ont accepté aujourd'hui que l'agression rwandaise est réellement vraie. Au Congo et Memaki, dans niveau conseil de sécurité. Il reste, biso jeunesse congolaise, tout élément, tout baissé braté. Le gouvernement, à ça n'a pas de responsabilité. Biso jeunesse, toi n'a pas de responsabilité. De commun accord, pour qu'on boute un ennemi en Boka, biso dehors, il bande en Boka, biso. Comme la Monisco, on va salir bras séculier, il y a un ennemi en Boka, biso. Aussi, on manifesta qui, les Congolais continueront toujours à manifester paisiblement, on a qu'on parce spécifiquement pardon pour mettre en dehors l'ennemi en Boko Haram jadis les alliés Monusco pour ça qu'on entretenir le groupe armé du jour au jour. Mon numéro c'est le fils de 143 81 52 99 123, fils de 143 81 52 99 123. Isa Wabino, président Marcel, l'homme de l'éveil du conscience, il y a peuple congolais. Ok, merci Mito, comme il a suivi l'émission de ce magazine, Yoka Bazin. Merci à la mission de ce message pour le bas. Toujours, Mito, il y a une réponse, il y a une invité à la mission. Tout le temps, il y a une réponse, il y a une réponse. Soki yote, masi andengayo, sinakufa kala. Kugumba melayo yawe nae kugumba melayo liboso na